C'est la cinquième journée du championnat de Fédéral 1. Auch est comme Nevers, jusqu'alors invaincu. C'est donc un match au sommet pour cette poule 3. C'est accompagné d'un temps très agréable pour ce dimanche de Toussaint que les spectateurs ont découvert la nouvelle tribune. À la troisième minute de jeu, Lusson marque une pénalité, mais lors de la relance, alors que l'Oval allait dans les bras des Ussonistes, un joueur d'Auch intercepta celui-ci avant nous et alla directement à l'en-but. Cette victoire te rassure aujourd'hui pour la suite de la compétition ou te laisse quelques regrets quand on connaît tes exigences? Il y a des regrets, non. Quand on gagne, on est content, on est forcément content, surtout contre un adversaire qui était invaincu. Le match a été difficile, Auch aurait pu marquer un peu plus en première mi-temps. Je pense qu'on a pris l'ascendant net en seconde mi-temps, on les a poussés à la faute. On a géré le match aujourd'hui, on n'était pas... Franchement, il y a des choses à revoir, hein, mais on n'était pas trop dans le tempo. Ce qui explique aussi le mois de trêve. Je pense que c'était compliqué pour nous qui avons à faire le jeu chez nous. Donc il y a eu des scories dans notre jeu, donc on ne va pas se contenter de ça. On peut et on va faire mieux, et on doit faire mieux. Mais aujourd'hui, on va se contenter de la victoire. Notre objectif était de gagner sans leur laisser le bonus. On l'a fait, on a été lucide et on a bien défendu jusqu'à la fin. Je tiens à féliciter tous les joueurs. Je vais donner quand même une grosse satisfaction à Thomas Tarit qui pour 19 ans a fait 50 minutes de très haut niveau et j'espère qu'il va continuer comme ça. Il avait un peu le trac, mais je pense que ce soir il peut être fier de sa performance. Maintenant, comme dans le sport de haut niveau, le plus dur c'est de confirmer. Donc eh bien, on l'attend prochainement pour qu'il nous montre l'étendue de ses progrès. C'est un match parmi 18 du championnat, mais voilà, je craignais beaucoup la reprise, les longues trêves sont toujours difficiles à gérer, on n'avait pas joué depuis le 9, surtout un match difficile contre Grenoble. Les joueurs ont bien réagi, ils ont joué en équipe, ils ont joué avec de la lucidité, on a fait preuve surtout d'une grande lucidité. À défaut d'être brillant, on a été persévérant et on a su les mettre à la faute et marquer les points qu'il fallait. Duvalet a une fois encore été d'un grand soutien au pied. Une belle victoire donc pour Nevers contre celui qui fait figure d'épouvantail de la poule 3, même s'il reste encore le match retour. En attendant pour Lusson, c'est 5 matchs et 5 victoires et les Ussonistes prennent donc la tête de la poule. Dimanche prochain, un autre gros test les attend, à Oloron.